But you keep heading out without me in your mind. I know. Salut les amis. Alors, on est sur le pétrole, il a fini de rouler le pétrole, hein. Il était sur sa semaine de roulement. Alors c'est un petit peu embêtant parce que, quand vous voyez, vous resserrez, ça veut absolument rien dire, il y a de la taille partout. Chose quand même importante, si on met Sierra, on va se mettre plutôt Sierra pour l'instant, ça va être plus intéressant. Et j'ai pas fait rouler tous mes graphiques encore. Vous voyez qu'on n'est pas loin des hauts de marché. Qui sont à donc j'ai pas envie de faire de m'agiter pour rien, tu vois. J'ai pas besoin en vérité de faire du PNL absolument là tout de suite sur le pétrole, j'en ai fait bien avant, donc je vais attendre les hauts. Je vais attendre qu'on retourne sur les hauts. Si on n'y va pas, tant pis. Je vais pas absolument attendre un truc, surtout qu'on a les hauts d'aujourd'hui et puis les hauts d'hier au même endroit quasiment. C'est normal du coup qu'on ait buté sur cet endroit-là parce qu'on a les hauts d'hier sont là. Les hauts d'aujourd'hui sont là. Donc, à la première touchette, si on va les toucher, donc ils sont à 57,37. Si on y va à 36,37, je me place short. Direct, short, direct. Je cherche pas à comprendre. J'espère qu'on va y aller. J'espère. Alors, je sais pas si on ira. En fait, je vais front-runner les 57,35 où il y a 200 contrats posés à la vente. J'ai posé mon ordre. Alors, bon, moi je me pose 5 contrats parce que je peux. Attention. Mais celui qui a un petit capital, évidemment, il pose un contrat. Hein. Il n'en pose pas 2, il n'en pose pas 3, il n'en pose pas 4, il n'en pose pas 5, ni 10. Il en pose 1 sur le pétrole quand il débute. Bien entendu. C'est pas le nombre de contrats que je mets et le trade en particulier que je fais moi qui est important. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est comment je réfléchis et ce que j'utilise comme outil. Alors on est bientôt en train d'y aller là. C'est parfait ça. Je sais pas encore à combien je vais sortir, à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ticks. Je sais pas encore si on va y aller même à ce foutu ordre là que j'ai posé. On va voir. Je rappelle, c'est les hauts de marché à 37. Et moi, je me suis posé à 34 parce qu'il y a 218 contrats vendeurs à 30, à 35. Là, juste avant 37 qui sont les hauts du jour. Donc, je compte sur une petite réaction. Même s'il les enfonce après, hein, juste après, je compte sur une petite réaction de quelques ticks. Je pose 5 contrats. Avec 5 contrats, vous savez, 5 ticks, vous avez 250$. Hein. 4 ticks, vous avez 200$. Donc ça va très vite. Si je vois que ils veulent enfoncer, je prendrai ma perte. Et peut-être que je ferai un reverse. Pour. Jouer un ce qu'on appelle non pas un front run là mais un stop run, c'est-à-dire jouer l'éclatage des stops au-dessus des hauts. On verra, ça serait bien qu'ils y aillent parce que dans un cas comme dans l'autre il y aurait un truc à faire je pense pour quelques petits couilles. Bon là je vous mets bookmap à l'écran. Mais bon, j'ai les autres écrans où j'ai tout. Hein. J'ai des bougies, j'ai du footprint, j'ai du market profile, tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser avec Thierry. Depuis le temps qu'on trade ensemble, ça va faire, je sais même plus, allez, 10 ans. Non, c'est toujours les mêmes outils. Hein. On n'a même pas changé d'un pouce. C'est impressionnant, quoi. C'est comme me tomber amoureux de la femme de sa vie, quoi, c'est pareil.
Bon, je sais pas si on va y aller, hein. On verra bien. On va attendre tranquillement. Il est 8h presque écart. Ouais, j'ai posé mon ordre sur 57,01 en avant des 170 contrats qu'on a là, acheteurs. Donc là, j'ai un front run vendeur et là, j'ai un front run acheteur. Et les deux sont couplés avec une confluence de niveaux. C'est-à-dire que là, il y a 225 contrats vendeurs et au-dessus, j'ai les hauts du jour. Là, j'ai 165 contrats acheteurs dans le carnet. Et en plus de ça, j'ai le POC mensuel à 57,02. J'ai le POC du jour volume à 56,97, un petit peu en dessous, et j'ai le VWAP mensuel à 56,80. Et j'ai une GP30 à 83. Donc j'ai. C'est pas très loin. Hein. C'est pas très loin de mon point d'achat ici. Mais je vais tenter d'abord le POC mensuel et le POC du jour, si on y va ici. Donc j'ai vraiment, y a de quoi faire. Si jamais on bouge de cette zone, il y a de quoi faire. Maintenant, faut qu'on bouge. Hein. Puis alors, ce qui est bien, c'est que. Alors. Si je suis vendeur là-haut ou acheteur en bas, j'ai déjà mes ordres pour sortir. J'ai plus qu'à les bouger. Là, on voit qu'il y a une petite pattern en escalier. Il y a une petite. Ils essayent de pousser. Alors peut-être qu'ils vont y aller. Peut-être. Voyez, il y a une petite pattern en escalier. On voit ça pousse. Ch'touk, 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 ch'touk. Regardez, encore là. Ouais, ça pousse. On voit qu'ils veulent monter les prix là-haut, là. Et là, les ordres, ça a gonflé. On est à 228 contrats ici. Hein. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, ça serait bien que je vous mette le footprint. Là, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le footprint, s'il se passe quelque chose. On a vraiment l'impression qu'ils veulent y aller. Hein. On est vraiment pas loin des 37 là. On n'est pas loin de mon ordre de vente à 35, 34 ici. Ah, ils vont y aller. Ils vont y aller. 230 contrats, ça continue à gonfler. Regardez tous les vendeurs dans le carnet. Regardez tous les vendeurs dans le carnet. Il va peut-être pas falloir être trop gourmand. Peut-être baisser l'ordre si jamais. Allez, venez, 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 venez me chercher. Je suis vendeur aussi, moi. Il y a plein, plein de vendeurs là. Ah, putain, putain, putain. Je préfère prendre maintenant parce que ça peut ne pas monter jusque là-haut. S'ils y montent, tant pis. Mais je préfère prendre maintenant. Voilà, ils ont, voilà, on est sur notre ordre. Les 200 contrats. Il y en a 61 qui ont été exécutés. Maintenant, faut voir si ça recharge. Ça recharge. Ça recharge. Ok.
Ça recharge, ok, ça y est, c'est bon. Donc là, il faut pas perdre de temps. On décide si on sort très vite ou si on attend. Ça a bien rechargé, ça y a eu un beau reload. Bien balance short. Ouais, c'est propre, hein. Voilà, 250 dollars. Voyez, je me suis pas cassé les couilles avec 5 contrats. Alors, celui qui prend qu'un contrat, là, il a fait 5 tics, il a fait 50 dollars. Mais c'est vachement bien. C'est bien 50 dollars, attends. Au début, quand on a un petit capital et qu'on débute, si tu vises, tu fais deux, trois petits scalps comme ça dans ta journée, tu fais ça tous les jours, t'es bien, hein. Voilà, bon, je m'arrête là. C'est parfait. On a vraiment fait ce que j'attendais. Et il y avait tout, hein. Il y avait tout. Il y avait les hauts du jour qui ont été fleurés, effleurés au tick près avec le gros ordre dans le carnet de 230 contrats qui a été rechargé, c'est-à-dire qu'ils ont exécuté une partie des ordres et derrière ça a rechargé, on remettait des ordres vendeurs, donc ça c'était très bien, premier point. Deuxième point, on a eu le footprint avec une magnifique imbalance short validée dans la mèche de la bougie. Donc c'était parfait. Parfait, parfait, parfait. Et maintenant, ils peuvent l'enfoncer, le haut, je m'en fous. Je suis sorti parce qu'on voyait, petit support qui se mettait. Moi, j'ai le nez, donc je voyais un petit truc qui se. J'ai pas voulu rester dans le trade depuis longtemps. Voilà, on va arrêter ça. En fin de compte, hein, on est allé jusqu'au 57. Nickel. Hein. Vous voyez? Et si j'avais laissé mon ordre d'achat, j'aurais été pris. Et je faisais un autre trade gagnant derrière. Bam! Allez! Trop beau! Allez les gars, ciao!